Honorable assistante, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est l'étudiante Bouzana Nouha. Je tiens tout d'abord de remercier l'équipe qui organise la conférence nationale en ligne en physique des matériaux. C'est un honneur pour moi que d'avoir l'occasion de présenter devant vous mon travail de master intitulé « Études ab initio des différentes propriétés structurales, électroniques et optiques des composés binaires GABI et GAP ». Alors, ce travail est basé sur l'étude des différentes propriétés structurales, électroniques et optiques toujours pour les deux composés binaires GABI et GAP. Les calculs de ces propriétés sont réalisés par l'utilisation de codes de simulation Vienne de Kay, basés sur la théorie de la fonctionnelle de la densité, DFT, en utilisant la méthode des ondes planes augmentées et linéarisées, FPLAPW, avec les approximations de gradient généralisé GGA et LMBG, pour le calcul de potentiel atomique. Dans notre méthode, l'espace est divisé en deux régions. La première région est les sphères qui sont centrées sur les sites atomiques. Les fonctions d'onde sont des harmoniques sphériques. La deuxième région, c'est la région interstitielle qui est décrite par des ondes planes. La variation de l'énergie totale en fonction du volume pour les deux composés binaires est représentée sur les figures suivantes. On voit clairement que les courbes obtenues pour les composés binaires GABI et GAP possèdent une forme parabolique. Et sachant que la phase stable pour chaque composé est celle ayant l'énergie totale la plus faible. Alors dans ce cas, on voit clairement que la structure zinc blend ayant la plus faible énergie, donc la plus stable pour les deux composés GABI et GAP. D'après la figure 3, on s'intéresse à la structure de bande afin de déterminer les gaps énergétiques. Alors, on remarque que pour le composé binaire GAP, le maximum de la bande de valence est situé au point de symétrie gamma, et le minimum de la bande de conduction se trouve au point de symétrie X. Alors, le composé binaire GAP possède un gap indirect suivant la direction gamma X. Donc, ce composé est un semi-conducteur. Par contre, le composé binaire GABI, c'est un métal. Nous représentons dans les figures suivantes la variation de la partie imaginaire et réelle de la fonction diélectrique en fonction de l'énergie pour les composés binaires GABI et GAP dans un intervalle d'énergie allant jusqu'à 45 électronvolts. Concernant la partie imaginaire, les courbes obtenues indiquent que les premiers points critiques de la fonction diélectrique se produisent à 0,18 électronvolts et 1,93 électronvolts pour GABI et GAP respectivement. Le pic principal qui reflète le maximum d'absorption est situé à 3,80 électronvolts et 5,12 électronvolts pour GABI et GAP. Et concernant la partie réelle, elle s'annule aux valeurs énergétiques 3,80 électronvolts et 5,12 électronvolts pour les deux composés. À ces valeurs énergétiques, la dispersion est nulle et par conséquent, l'absorption est importante. Les courbes de la variation de l'indice de réfraction en fonction de l'énergie pour GABI et GAP montrent un maximum aux énergies 1,33 électronvolts et 3,68 électronvolts respectivement. La variation de la réflectivité en fonction de l'énergie pour nos binaires est illustrée dans la figure 7. Ces courbes indique un maximum de 57% à 5,73 électronvolts pour le composé GABI et 58% à 12,05 électronvolts pour le GAP. Globalement, ces spectres ont presque la même allure. La variation de coefficient d'absorption en fonction de l'énergie pour les deux composés binaires est représentée sur la figure 8. Nous pouvons dire que les seuils d'absorption fondamentaux commencent à environ 0,18 électronvolts et 1,93 électronvolts pour GABI et GAP respectivement. Les énergies maximales égales à 5,28 électronvolts pour GABI et 6,66 électronvolts pour GAP. On voit nettement dans ces spectres la présence des pics secondaires autour du pic principal. Par exemple, dans le cas de composé binaire GAP, il y a deux pics secondaires. Le spectre de la perte d'énergie est montré dans la figure 9. Les courbes indiquent un maximum d'énergie égal à 13,80 électronvolts et 16,83 électronvolts pour GABI et GAP respectivement. En effet, ces pics se produisent autour des énergies pour lesquelles la partie imaginaire de la fonction diélectrique atteint son minimum et la partie réelle s'annule.
d'après les résultats que nous avons effectués, ont permis de tirer les conclusions suivantes. La structure zinc blend est la plus stable pour les deux composés binaires GABI et GAP. Les calculs de la structure de bande ont montré que le composé binaire GAP est un semi-conducteur à gap indirect suivant la direction gamma X. Par contre, GABI est un métal. La partie imaginaire et réelle de la fonction diélectrique sont calculées, ainsi que les autres propriétés optiques. Merci bien pour votre attention.